Allez, c'est le dernier quart de finale dans cette catégorie des minimes. Qui va pouvoir accéder à la grande demi-finale tout à l'heure? Et celui qui produit son effort, est-ce que c'est le pilote avec la tenue orange, la plaque 91? La plaque 91. Oula, alors là, il y a dû avoir une race décalée. Pascal, c'est les 17-24 ans. Là, qui sont sur... Allez, la 405, alors Hussein Gavin, certainement, le pilote de Noendo à la plaque 91, qui est le leader, c'est bien lui, et ça pique de partout, avec Giro Hugo, notamment, il y avait peut-être Thomas, le pilote de Gaulle, la plaque 55 de Giro, qui est rentré dans l'Inter pour Dardy, et Hussein Gavin de Molbeck, qui est donc actuellement... Alors, il y a eu une série décalée, notamment, et ce doit être actuellement la 406, je suppose, qui est en piste avec Chartres. Oui, Lucas, la plaque numéro 58 devrait prendre l'avantage dans cette première ligne droite. Voilà ce qui est fait. On retiendra donc à la deuxième position, notamment Maurice Matisse, le B-Club. Chapelois est dans une qualification pour accéder aux demi-finales dans cette catégorie. Donc, des 17-24 ans. Qui va se retrouver à la troisième place actuellement? On retiendra la plaque numéro 26. C'est Walter Lucas de Jouer les Tours qui devrait se qualifier, ainsi que la plaque 71 de Forissier, Florian de Meno Lacotière pour une quatrième place. Allez, 407, quart de finale chez les hommes de 17-24 ans. Qui va parvenir à s'imposer dans cette première ligne droite? On a notamment. Le pilote d'Ambroise qui est Thomas Auger qui est en deuxième position, mais la première place pour l'instant c'est Arthur Mourier du BMX Speed Racing. Arthur Mourier en première position et il doit avoir offert question. Il a un peu perdu pour l'instant. Ouaza a chuté dans le virage alors que c'est toujours le même leader. Arthur Mourier en deuxième position, la plaque 04. Il s'agit de Dorian Pierson Léal. La troisième position pour Thomas Auger d'Ambroise Nazel-Négron et la quatrième place. Et il sera pour Lucas Rougy du BMX Club de Sarrien. Allez, le dernier quart de finale chez les hommes de 17-24 ans, avec à suivre Simon Lépine, Scotty Pennell peut-être. Scotty Pennell, c'est lui qui prend l'avantage. Ouah, ça vient de chuter malheureusement dans ce premier virage. Scotty Pennell qui se retrouve à terre. Et c'est Kylian Bernard du VC Roubaix-Lille Métropole qui est en première position. Mais attention, ça revient dans les intérieurs. Il y a Saint-Etienne avec Samuel Angénieux notamment. Samuel Angénieux en première position avec sa plaque 47. La deuxième place, elle est pour la plaque 43 de Simon Lépine. En troisième position, Kylian Bernard. Et pour la quatrième place, eh bien, impossible de vous dire qui est allé chercher cette quatrième et dernière place.